Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Effectivement, journaliste, photographe Dionalio Chéri qui était payant pour la réfugié dans un pays étranger à famille à cause de pression. Li di la subi nan men individu li pa identifié. Journaliste photographe la expliqué, situation s'est arrivé après plusieurs photos li te prend dans cadre travail li nan moment bandi exam d'après panique surtout dans zone route aéroport. Dionalio Chéri t'a travail pour agence Associated Press. An côté en bout nan intervention nan micro Winel Jean-Louis. C'est depuis 17 mars et là on songe que fantôme 509 te prend la ria. Et puis pour y être manifesté, surtout après au songe 12 mars, tu gain soit yo, agent soit yo qui était mort dans le village de Dieu. Et puis Fantôme 509 te prend la ria pour réclamer corps et agent soit yo qui mort. Et puis dans le même moment ça, tu gain inspecteur général Calanri Boucher était dans prison. Et puis tu gain police qui était soutenu à l'académie. Et puis qui te prend la rue tout, qui t'a manifesté. Et puis je suis sorti juste à mal travail. Et puis je finis faire police académie. Et puis je viré, je viens avec le groupe Fantôme 509 là, qui prend la rue, qui a manifesté. Et puis ça que je toujours fait normalement, je toujours suivi. Mais des fois, d'un côté que qu'on arrive, je dis tout journaliste, pas utiliser caméra, camper tout sur toute image n'a pas, juste pour ne pas voir l'action qu'il a fait. À tout le monde qui a intérêt sur Haïti et dans le monde entier pour montrer ce qui a passé. Et puis, là, je finis dans le commissariat d'Elma, je libéré les policiers prisonniers, je fais image à eux, et puis je suis venu, je arrive à l'aéroport, je mets tête sur route à l'aéroport, je arrive devant Nissan, et puis je tire, et puis je rentre dans Nissan, je commence à faire pillage, tout ça, et puis moi-même, n'était là et puis yo vinn menacer me raler zam sou moi yo di ou pa faire image là est-ce que ou pi bon journaliste ou vinn faire image là et puis bon moi même t'ai campé me dire OK chef là me pa faire image mais on connaît en tant que photojournaliste faut gagner toute tactique pour faire une image même si que ou pas prendre caméra mettre dans jeu mais si ou gagne tactique pour faire une image ou faire une image et puis m'était fait quelques images et puis après ça vinn gagne autoplate ça yo t'a et piller et puis l'aime monter en l'air même t'es monté directement pour m'aller dans Kasami yo dit m'y a piller mais l'aime rive Kasami moi ou pas piller m'a cassé tête tourné pendant m'a cassé tête tourné mon équipe nèg cap sorti dans route Simon Pelé a débarqué yo font fusillade gros fusillade yo tire en pile monde parce que t'es grand pile monde qui était dans auto plaza t'a pour aller piller yo tire en pile monde et puis moi même réflexe pas moi caché avec chauffeur moto moi me cacher en dedans et puis non coin en dehors mur et puis m'a fait quelques images mais moi nèg a visé côté mier et puis me vinn réfléchir me dit si nèg vini là y a tiré et puis me dit chauffeur moto a stat moto on doit courir mais avant ça me t'en faire une équipe image image côté y a beauté moyo parce que yo tiré mon yo et puis yo pas quitter moyo à terre yo trois là avec moyo. C'est une preuve qui vient montrer et ça fait droit de l'homme vient pas comme ça t'est passé personne ne pas comme ça t'est passé joie et puis on prend toute course à eux ils rentrent avec eux l'homme fin fait image ça on me dit eh si nèg ça ouais m'y a tiré et puis me prend moto à me courir en S dans route là juste pour s'y tirer derrière pour me capable t'en prendre son tactique lié et qu'on y a là et puis l'homme rive quatre fois pour me prendre souffle en fait c'est bagaille ça qui vient faire que après, yo vin ap chercher, me vin faire bac à travailler en paix dans pays ça. Quoi pour déjà tout gros dernier événement qui a passé là. Et ben nan yo malade. Oui, parce que m'pa ouais sous terrain m'ap travaille. M'pa ouais caméra nan même m'ap prend prise de vue que m'en vie prend pour montrer soit communauté haïtienne non, soit communauté internationale là pour montrer ça qui a passé à Haïti là. Vous comprenez? Parce que normalement, moi-même comme témoin société, les montrer ça qui a passé, c'est pour m'attirer l'attention. Moi, pour yo changer, c'est parce que j'ai besoin de bagarre, yo changer qui fait me risquer vim. Me risquer vim pour moun qui pi faible, pour moun qui pi bas, pour me montrer j'en a vivre. Moi-même,
tout le monde connaît, m'entrer dans tout quartier populaire, tout côté de gang. Normalement, m'en de autorisation, est-ce que m'en travaille? Si chef là dit bon, pas qu'à travailler, bon, m'en quitte ça. Même toujours connaît, moi-même, pas faire rien pour moi-même. M'fèl pour peuple haïtien, m'fèl pour tout le monde. Si moi-même c'était soit opportuniste, moi m'kwè m'tap getan, soit quitter métier ça, mal dans l'autre pays, mal font l'autre bagaille. Mais moi-même ça c'est vim, c'est li mwen, c'est talent que bon Dieu ban moi. Et mettez tout moi-même là-dedans pour m'faire travail moi. En fait, c'est ça qui fait tout. Nous ka wè m'gen réussite là-dedans. C'est parce que mettez tout comme dans ça m'a fait. Bon. Ça arrive que moi en caméra ça fait depuis mois de mars moi en caméra j'ai 2 mois là avec quelques jours pas jamais en caméra ça pas fait bien du tout. Me senti que me vinn faible même pour monde vraiment qui peut gourmer peut bataille qui peut défi, mais pour madame moi petite moi yo obligé font quoi pour me garder si me ca sauver vie par yo. Mais normalement, c'est pour moi-même, pour m'amour à Haïti, pour ça m'a fait ya. En fait, m'étais déjà prêt parce que m'étais déjà consacré vim pour me faire ça m'a fait ya. Et me connais qui risque qui gagne là-dedans et me connais qui ça ka coûté pour la vim. Et puis, secrétaire général de l'association journaliste haïtien, Jacques Desrosiers, dénoncé menace mort journaliste photographe haïtien Dienalo Chéri a subi en bas mais nèg exam en dedans pays a. Une situation qui la cause, journaliste là, obligé de quitter le pays à toute famille. À la tête, AJHA fait qu'on est journaliste pas doué, joint une difficulté pour faire travail. Jacques Desrosiers Kouez, Aksayo, pas doué, répéter encore dans le pays à. Et ajouter, journaliste là, doué, gain possibilité pour faire travailler sans pression en Chile. Nous-mêmes, l'association journaliste haïtien, nous dénoncer la situation ça, qui fait que un journaliste, un photojournaliste, obligé de partir du pays à. Par rapport à la menace que la Cour se voit de côté groupe armé. Et AJH nous prend une menace très au sérieux, surtout que nous connaissons des cas déjà, il y a des journalistes qui disparaissent, on parle de cas photojournaliste Vladimir Legania, il y a un journaliste qui est assassiné, et il y a un journaliste qui est agressé, qui prend balle, qui est obligé de faire plusieurs jours d'hôpital par rapport à la menace que la Cour se voit, par rapport à ces actions. Donc, nous devons ces actions sérieux. Nous dit que c'est des actions qui mettaient en péril la liberté de presse là. Et le fait que le journaliste n'est pas capable de chercher l'information, l'obliger à marron pour l'obliger à partir du pays parce qu'il a reçu la menace, nous dénonçons ces actions sérieuses comme des actes qui mettaient en péril la liberté de la presse là en Haïti. Nous disons autorité pour responsabilité pour garantir la sécurité des journalistes. Nous avons dit journalistes, tout le monde en contexte assez difficile pour la sécurité généralisée. Nous avons demandé au groupe de travailler avec prudence, avec vigilance, avec prendre la route. Et chauffeur machine avec moto, trouvez-vous dans une situation difficile pour jouer de gaz pour fonctionner depuis quelques jours dans le pays. Il y a plusieurs ponts de gaz qui parlent ouvrir à cause d'après ça, vous faites connaître. Il n'y a pas de gaz pour vous vendre. La situation s'est établie surtout à cause de la bataille négative dans la zone Matissan. D'après les responsables d'association et station. Premier ministre Aïa Claude Joseph, qui a participé à la réunion Conseil de sécurité Nations Unies en semaine passée, retourné dans le pays vendredi 17 juin 2021. Dans une rencontre, les faits avec la presse, chef gouvernement présenté condoléances à la famille policière qui était mort en babal bandit dans Datsa. Premier ministre Angouyon Tiboutan. Et profiter parler sous cause élection avec référendum. Que Joseph dit, doit un bon gens consensus pour sortir du pays dans la crise liée depuis quelques temps en Syrie. Membre Conseil sécurité, ils ont toutes, sans distinction, croient que ces élections dans l'année ça pour organiser. Pour un pile contentieux politique vidé et pour un transfert pacifique pouvoir dans la date 7 février 2022. Donc tout le monde qui a suivi l'événement ça, tout le monde du Conseil de sécurité qui est intervenu, ça qui était constant dans la position, c'est nécessité pour organiser l'élection et ils ont encouragé également le dialogue entre toutes. Acteurs.
question sécurité, c'est une priorité pour moi en tant que chef CSPN. C'est pour ça que je ne perds pas de temps. On a décidé d'organiser un CSPN en toute urgence. Pour moi, d'abord, j'ai une idée de dernière disposition que PNH là a adopté, mais également pour me connaître qui s'est passé dans les dernières 48 heures. Je m'a profité présenter sympathie moi par famille policier Simo Limage Gasley qui tombait ailleurs dans la zone d'Elma. Je m'a présenté sympathie tout par commandement Simo avec toute l'autre frère d'âme policière qui perdit Youn parmi eux. Je vais assurer que le crime ça n'est pas prêté impuni. Mais l'important dans la permanence que nous mettons campé dans la résidence officielle pour le ministre pour nous informer la population de temps en temps sur les mesures et dispositions que nous prenons pour nous bailler la sécurité pour nous vaquer l'activité. Et puis, une fois qu'on est ambassadeur Taïwan en Haïti, remettre par le gouvernement haïtien, vendredi 18 juin 2021, et en contribution 2 413 000 $ américains dans le cadre d'un projet renforcement production nationale semences d'ivry en Haïti. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Patrick Sévère, remercier le gouvernement taïwanien pour financement ça, il dit qu'il baille dans l'intérêt de la population. Ministre la promette, sous un projet ça déjà étonné, qui s'est Nord-Sud avec la Tibonite qui a continué le travail en façon pour améliorer l'agriculture dans le pays. On suit plus de détails dans le micro Mildred Milias avec Michel Joseph. À cette modeste cérémonie de versement de contributions du gouvernement de la République de Chine Taïwan, visant la poursuite des activités du projet de renforcement de la production nationale de semences de riz, réponse. En effet, le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural exécute conjointement avec la mission technique taïwanaise opérant sous la tutelle du Fonds taïwanais de coopération et de développement international ICDF, ce projet qui est à sa troisième année de mise en œuvre dans trois régions rizicoles du pays. La vallée de la Tibonite, la plaine des Cailles, les plaines du nord de Saint-Raphaël et de Maribao. Ce projet financé par la République de Chine Taïwan, exécuté depuis janvier 2019, vise à terme un objectif global de production de 20 000 tonnes de semences de riz de qualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de remettre à la coordination des trois sous-projets un chèque représentant une valeur totale de $2 413 000 leur permettant de réaliser les objectifs techniques envisagés pour l'année 2021. Je saisis l'occasion pour remercier solennellement au nom du gouvernement haïtien le gouvernement de la République de Chine Taïwan, une contribution qui impactera significativement la production de riz durant les campagnes de l'année 2021, avec des effets sur la sécurité alimentaire. En outre, je vous connais que les activités du projet ont été perturbées pendant les années précédentes, provoquant des retards significatifs sur certaines réalisations. C'est pourquoi, sur l'avis des techniciens haïtiens et taïwanais, je participe à l'exécution du projet avec l'accord de l'ambassadeur Kou. Pour finir, je saisis cette opportunité pour exhorter nos techniciens à une plus grande collaboration avec les coopérants taïwanais en vue d'une plus grande valorisation de nos fermes expérimentales comme Moger, Lévis, centrées sur la recherche de nouvelles variétés et la régénération d'anciennes variétés comme la Madame Bougousse, la Crêpe à Pierrot. Et ambassadeur de République Chine Taïwan en Haïtien. Oui, il y a un coup fait qu'on est gouvernement pays, il a continué à soutenir le gouvernement haïtien dans niveau ça. Diplomate là a souligné que c'est un moyen qui permet à Haïti avancer sur le développement. Ambassadeur République de Taïwan, dans le micro, Mildred Milias avec Max Joseph en suivre. Le monde entier lutte depuis 18 mois contre la pandémie mondiale de la COVID-19. Ils sont enregistrés partout dans le monde. Et l'économie mondiale traverse une grave conjoncture qui affecte encore plus les couches sociales les plus défavorisées. Toutefois, pendant que la crise nous détourne
de l'essentiel. Il est plus que jamais incontournable de se souvenir de notre rôle premier en tant que gouvernement et de se préparer à rebondir une fois que la pandémie sera vaincue. C'est ainsi, et surtout dans cet état sanitaire particulièrement difficile, le gouvernement taïwanais continue de soutenir la production agricole haïtienne en apportant aujourd'hui une nouvelle tranche de financement au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Pour la réalisation du projet de renforcement de la production de semences de riz réponse. Car sans la sécurité alimentaire, il n'y aura pas de stabilité sociale, encore moins possible la sécurité de l'État Haïti. On est funéraliste de l'Estal Alexis, chanté samedi 19 juin 2021, dans le pont funèbre à Séo Marc Arthur Alma. C'était occasion pour famille, amis, à Claude Moon, qui était fait déplacement, saluer les pages journalistes là et puis en ayant des nids hommages. On suit un compte rendu avec Rachel Sefort et Bernard Marcel. Fils la te occasion pour famille zanmi célébrer la vie Esther Doristal et puis exprimer fierté yo par rapport à ça li réalisé pendant passage li sous Tessa. J'admirais tellement sa fougue. Oh, je ne peux qu'être fière de toi, ma grande sœur chérie. Depuis tes classes de kindergarten au collège mixte Pierre Corneille, passant par la primaire à l'école mixte Patience d'Ange, jusqu'au secondaire, au collège évangélique Maranatha et au centre d'études Lumière, tout le monde peut témoigner combien elle était intelligente. Elle était toujours parmi les meilleures. Elle avait une élégance, une telle éloquence quand elle parle. D'où passe sa passion pour la communication. Elle a été donc étudier le journalisme, puis la diplomatie, entre autres professions qu'elle a apprises pour entamer son parcours professionnel. Même association d'âme pour émancipation famille chrétienne d'Haïti Adef Cha te témoigne gratitude envers des feignants qui te fondé association ça pour porter réponse à problème famille haïtienne yo ap konnen jounen jodi a. En Adef Cha, vision éducale pas ka empêcher nous mettre ensemble pour atteindre objectif. Quant à disponibilité, nous pas ka parler sous lit. Parce que nous pas jamais rivé comprendre qui j'en fait à toute responsabilité ou te gagné. Pourtant, ou te gagné pour yon capacité, pour vouloir bien pour nous, pour aimer nous, pour motiver nous, qui te fait nous bien. Pasteur mission première église Jésus-Christ Arsène Siméon dans ses mots circonstances salier contribution journaliste là dans avancement société. Nous autres chrétiens, plus particulièrement de la mission première église de Jésus-Christ, nous déclarons que notre sœur Doristal Esther Alexis n'est pas morte. Elle ne fait que reposer de la fatigue de cette vie terrestre, attendant le grand jour de la résurrection où ceux qui dorment en Jésus-Christ seront réveillés pour aller à la rencontre du Seigneur. Eddie Jackson Alexis retourne sous rencontre li avec Madame Esther Doristal Alexis et puis rappeler nécessité pour l'État prendre bon genre disposition pour sensibiliser population sous danger maladie coronavirus là représenté. Tete, ma résumé, c'est le sens de la vie, d'une vie complète. Une croisée réceptionniste dans le Doristal. Belle demoiselle qui était sexy à l'époque, au second bureau. Et puis, il m'a dit, qui sont besoin, monsieur? Je me dis, c'est des journalistes en radio. Il dit, journaliste. Il me dit, c'est Jackson Alexis. Ah, c'est qui est Jackson Alexis? Le 23, il me dit, chérie, le 24, il dit, travail, il peut pas venir. Il a poussé, il a des fièvres. Et puis, le lendemain, il me dit, c'était fort. Bon, il fait test. Finalement, nous faisons Tesla le 1er juin, après 3 jours, Tesla positif. À la vérité, madame, je n'ai pas arrivé à accepter la maladie.
Pourquoi c'est une situation qui est là aujourd'hui de Covid là? C'est l'acceptation de la maladie. Esther Doristal Alexis fait 3 mai 1983, il mourit 10 juin 2021 après le film trappé COVID-19 là. Il quittait des petites, yon fille à qui yon garçon. Nous avons une période vraiment difficile lorsque nous connaissons l'insécurité. Il est vraiment dur pour nous dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine, dans yon dil. Semaine dernière, nous songeons à gagner une situation extrêmement difficile jusqu'à date à Martissant. Même s'il est un peu amélioré, mais jusqu'à présent, il est encore très dur. Et pour nous là, dans Delma 2, 4, 6 et tout environnement, zone Zayo, et gagnons insécurité. Difficile. Nous sommes capables de dire qu'il y a une situation très difficile, il y a une insécurité sauvage et dans la zone Zayo. Et à chaque fois qu'il y a une insécurité, nous connaissons un impact sur le système éducatif, là, particulièrement sur les élèves nous, et qui prennent celui examen officiel. Et nous connaissons le ministère par rapport à un phénomène. Et COVID-19 là, il était déjà pris en disposition pour que toute l'école ferme porte à partir du 11 juin qui se passait là. Sauf pour les élèves qui prennent l'examen officiel. On avait dit toute l'école fermée pour l'autre candidat, seulement pour candidat qui prennent l'examen officiel. Et là, nous disons examen officiel, nous avons 9e année fondamentale, nous avons baccalauréat. Nous avons école normale instituteur, nous avons CEF, centre d'éducation familiale. Donc, et c'est comme ça, ça y est pour l'année dernière, pour l'année dernière. Là. Maintenant, nous en face de gros problèmes. Premier problème, là, nous avons un problème de Covid, qu'on est, qui est vraiment sauvage dans le pays. Tout le monde a rappelé maladie ça, il y a plus là déjà victime. Et nous tous dans le pays, nous connaissons ça très bien. Vine gagner ça, qui t'a dit tout à l'heure là, son situation qui est vraiment difficile, c'est l'insécurité. Maintenant, le ministère lui-même, qui ça le fait? Pour zone accès difficile, eh bien, il y a des dispositions qui prend à travers la direction départementale là, pour que ils n'ont pas fait examen dans ce cas. Ils ont fait examen de l'autre côté. Qui, parce que l'élève de tout, parents ont quitté la zone. Ça veut dire que les parents n'ont pas été là. Et bien, puisque les parents n'ont pas été là, nous prenons des dispositions. Après, dans la zone Fontamar, la zone Martissant, et les gens qui ont pris des dispositions pour que. C'est au Carrefour, tout examen ou fait. Puisque nous connaissons, en plus l'année, on est dans le centre, et Carrefour, c'est là où héberge. En attendant qu'ils retournent, même si nous connaissons le gouvernement, prendre des dispositions, parce que c'est vraiment difficile pour le monde qui a un caillou, obligé de quitter le caillou pour aller de l'autre côté, et puis aller le vivre. Pour Delma, ça va passer là. Direction départementale encore étant prend disposition pour que candidats qui parlent d'examen officiel eux-mêmes ne soient pas victimes d'une situation que eux-mêmes ne connaissent pas. Ce n'est pas eux-mêmes qui font. Donc, le ministère lui-même, dans ce sens-là, il prend disposition. Nous tous nous connaissons. Nous ne pouvons pas prononcer et quand ils parlent composé. Mais nous connaissons la police nationale d'Haïti. Nous connaissons l'armée. Nous connaissons le supérieur d'État. Nous avons tout le monde qui gagne la possibilité, ça, qui gagne le pouvoir, ça, qui gagne le ministre pour se viser. C'est le pays, c'est le monde qui sortit de là. C'est la police, l'armée qui est là. Puis la police nationale d'Haïti et l'armée,
j'en ai dit tout à l'heure, secrétaire d'État à la sécurité publique là, les mêmes tout, les décider pour que ces missions-là, ces missions directeur général de police là, ces missions directeur général de la mer, pour sécuriser le pays. Officiels, ils ont déjà motivé, mobilisé sur toute étendue du territoire là pour le sécuriser. Et dans ce sens, tout candidat, il y a des possibilités, même si côté, dans une zone côté difficile, il y a capable à l'examiner sans problème. En plus, je vous dis ça tout à l'heure là, côté ça, il y a des gens qui ont fait, qui ont boumé en de ça et vous pouvez comprendre nous examen ou même un examen mais ça ça dit depuis septembre rien en juin je connais ça ça coûte pour des parents son pile les fois faire pour un maillet pour continuer l'école or ça va valider l'année c'est une évaluation tout le déjà avec ton compréhension ça la caillou qui va permettre à des gens calme tout le monde qui a fait en série des actes il y a suspendu pas seulement dans la période d'examen il y a suspendu pour longtemps parce que vous avez déjà mouvement ça n'a pas bail résultat et je vous dis tout à l'heure si les divisions nous n'ont pas résultat nous on dit avec tout le monde quel que soit le secteur quel que soit dans l'opposition ou ces membres après tout le monde est à motiver mobilisé avec un seul langage pour nous unir ensemble pour nous suspendre faire brigandage pour nous suspendre détruire l'ordre pour nous prioriser intérêt national au-dessus de l'intérêt individuel nous pensons là nous les lever. Postérité, ça, il n'y a pas à faire si nous n'avons rien dit, si nous n'avons division. Donc voilà, c'est un examen d'État qui mobilise tout l'État, qui mobilise tout citoyen haïtien, que ou en Haïti, que ou en Haïti. C'est pour raison ça, quel que soit le problème qui te gagne entre haïtiens, ce n'est pas le moment pour soulever, c'est le moment pour dire nous camper avec ça. Parce que Timon Nuyo, frère Nsel Nuyo, cousin cousin Nuyo, pral dans l'examen. Nous déjà fait des préparatifs à ce sujet. Nous dit qu'il faut que toutes mesures barrières soient respectées. Et dans tout centre, même avec l'année dernière, nous avons gagné tout ça qui est important. Nous avons gagné de l'eau, savon. Et il faut que le candidat mette masque. Et puis paramètres de distanciation. Il faut les respecter. Et salle, c'est une salle de salle qui a capacité de payer le nombre de candidats. Nous disons que c'est 26 candidats à payer par salle. Et paramètres de distanciation, il y a respecté, supervisé, délégué, directeur, siège. Tout le monde a fait supervision pour que, d'abord pour entrer seulement pour composer dans le salon, pour entrer dans le salon seulement, il faut que tu aies ouais pour respecter tout ça. Donc ça veut dire toutes mesures que l'autorité sanitaire a mis en place, le même local d'application stricte pendant la période de passation des examens officiels pour l'année 2021. L'examen au calendrier n'a pas changé, le 12 juillet au 14. On a bien examen 9e année. En termes de préparation pour la 9e année, nous fini. Et ces fiches que Naptan qui a imprimé pour nous au cours de 7 semaines, pour que le directeur de l'école soit capable de recevoir fiches candidats au BDSO, et pour nous même capable de bailler candidats pour participer à l'examen qui est au nombre de 84 004 candidats que nous avons pour la 9e année académique de cette année.
nous gâtons identifier les centres d'examen. Au contraire, si m'a parlé des fiches, c'est parce que tout centre d'examen est déjà identifié. Et il reste maintenant à faire la démultiplication des copies et à cheminer les copies rapidement dans les centres d'examen. Le ministère prend des dispositions, en particulier et direction générale, la direction départementale là, qui a exécuté les commandes de l'administration centrale. D'abord, si nous prenons le cadre figure de Matissan, nous agençons pour que Matissan ait un centre d'examen. Nous ne pas mettre centre d'examen si nous sommes dans Matissan, mais nous mettons au côté qui proximité à nous-mêmes et qui plus ou moins sécure par rapport à ce qu'a fait dans le pays, il y a même le cadre d'examen. Ça veut dire que si nous ne pas descendre la ville, il y a même temps vers Carrefour pour le composer. Pour les gens qui sont en Delma de Cité Soleil, ça fait quelques temps, nous ne mettre centre d'examen en de Cité Soleil. Ça fait quelques années. Les gens qui ont composé ou même dans le bloc et cité militaire pour certains et d'autres à Delma. Donc nous faisons un pile déplacement dans ce centre, par exemple, pas de Delma, on n'aura pas de centre d'examen. Donc nous faisons un petit centre d'examen au bureau pour que les gens qui ont composé dans une situation qui est plus ou moins sécuritaire. Mais il y a quelques écoles, par exemple, si nous prenons les lycées, il y a le lycée Daniel Violet qui a été 9e et baccalauréat obligé de déplacer. Nous faisons un travail à Timounzao dans l'autre local qui est accessible à Timounio parce qu'il n'y a pas qu'à l'an lycée. Il y a aussi vrai pour le lycée Alexandre Pétion. Et pour la zone Matissan, nous n'avons pas l'école à pas de pays où nous voyons tout aller dans l'école qui est proximité pour le travail. Et il y a quelques écoles dans Matissan qui étaient abordées nous. Si on a une école nationale, un bloc Dikini ou bien lycée, et que nous mettons en contact avec le directeur Janet Félix qui l'en bloque ça, et pour être capable de jouer un espace pour permettre que tout le monde 9e année avec le baccalauréat continue à suivre le cours normalement. Normalement, tout le monde connaît composé connaît. Ok? Tout le monde qui l'en connaît composé connaît, examen va le jouer dans connaît, puisque nous avons un centre d'examen qui est placé à connaît. C'est aussi vrai pour Bellefontaine, c'est même bagaille, quatre figures là pour Touin. Donc, examen va le venir dans la zone, ça même pas de ça. Alors, nous avons une expérience dans la traversée parce que nous faisons déjà. Et nous voulons examen à temps pour que l'examen arrive avec des délégués, comme nous faisons pour la Gona aussi, avec des délégués, et que l'examen là, avec délégués qui pourraient administrer pendant les 3 jours. Le contexte là est difficile, il était difficile pendant l'année tout passé déjà, mais c'est une obligation pour le ministère pour organiser l'examen puisque nous terminons l'année académique là. Pour ministère évaluer Timounio, puisque vous êtes classe intermédiaire, vous avez fini composé et l'école yo a baillé résultat. Donc, Timoun qui est en classe d'examen, il faut l'État lui-même l'organiser. Donc, là, ça a besoin de compréhension des uns et des autres, puisque Timoun qui parle d'examen, c'est une petite catégorie, tout le monde dans le pays. Bien dit, catégorie petite, tout le monde dans le pays. Donc, pour permettre que Timounio ka composé dans la sérénité, au moins laisse à Zamda Fonti Bébé, Timounio en chance, yon même tout, puis yon composé. N'a pas marché très bien. Normalement, le 11 avril, nous, et 11 juin, nous finissons tout processus là. Et nous avons une statistique, comment ça y est pour S4. Nous avons à date, pendant ma parole là, 42 523 candidats qui en attente des fiches pour NS4. Et si ça fait me profiter des micros là tout pour me lancer un appel à certains directeurs d'école qui ont des cas qui pendant. L'aide dit des cas qui pendant, parfois son problème seconde, parfois son problème ou bien S2 ou bien seconde, ou bien S3 ou bien Rito, qui permettent que Timoun ça ne va pas saisir l'an S4, ou bien problème numéro d'ordre, 9e année. Donc nous mettons des directeurs rapidement à la BDSO, à la Bunex, parce que semaine ça n'a pas mis Bunex. À semaine ça a mis fin pour que nous capables d'imprimer fichiers pour les jeunes à temps. Et nous finissons tout avec les inscriptions du bac permanent. Nous avons plus de 5000 candidats, même pas bon chiffre là exact, puisque des comptes vendredi à pas fait. Yes, des comptes vendredi à pas fait. Et nous espérons que nous avons fait fort pour que l'examen déroule très bien. Dernier message, d'abord les candidats, nous demandons que vous mettez tête ou fait. Sauf, il y a respecté mesure geste barrière parce que pas grand monde qui a entré dans le centre d'examen sans pas de masque et direction l'école yo a mis de l'eau
pour que si moun yo capable laver mais on veut parler les centres d'examen et ensuite ministère depuis l'année dernière nous fait même pas là nous réduit nombre de candidats par salle et puis nous mandé parents yo accompagner ti moun yo parce que moins que moins dans des moments difficiles que ti moun cal composer que moi parents yo accompagner c'est que parents yo pas jouer en matière d'éducation pour ti moun yo donc nous mandé yo continuer faire ça et nous même la niveau par nous et l'autre niveau qui puis au dans l'état pour capable intervenir pour que l'examen soit capable de réaliser. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.